parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tiangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tiangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du fleuve Congo. L'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke ba zui localité moko. To ba betilisa si congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire.